Et enfin, peut-être un nouveau scandale alimentaire en vue. La ville côtière de Xiamen a appelé les importateurs de denrées alimentaires à retirer 4,9 tonnes d'aliments produits par deux entreprises taïwanaises. La ville de Shanghai a également retiré de son marché 8 700 sortes de denrées alimentaires susceptibles de contenir de l'huile recyclée. Le Bureau des affaires de Taïwan du Conseil des affaires d'État a soutenu qu'aucune huile recyclée n'avait été importée sur le continent chinois. L'autorité chargée du contrôle des qualités du continent chinois a demandé l'arrêt des importations des produits taïwanais fabriqués à partir d'huile frelatée. L'entreprise Changwan, fournisseur d'huile de cuisson à Taïwan, rapporte avoir produit du sein doux à partir d'huile usagée récupérée dans les déchets des cuisines et de la graisse du cuir des usines de transformation. Les autorités de sécurité alimentaire de Taïwan ont imposé une amende de 50 millions de dollars taïwanais, soit environ 1,7 million de dollars américains aux entreprises concernées.